La prison Winter a ouvert ses portes en 1867 pour les fermer en 1990. Durant plus d'un siècle, un grand nombre d'hommes et de femmes sont venus y passer quelques mois, et même parfois plusieurs années. Certains prisonniers plus turbulents sont à l'origine de rumeurs de meurtres, de suicides et de violences non documentées à l'intérieur de ces murs. Construite entre 1865 et 1867. Ah, le bâtiment est fait par un architecte, un maçon italien de Montréal. C'est vraiment... Tandis que la muraille, l'intérêt, c'est que c'est fait plutôt par, c'est fait par des artisans maçons de la région. Okay. Des pierres de la région avec des pierres ordinaires qui viennent de carrières de tout près. Là. Elle est située au cœur du secteur judiciaire, près du palais de justice, des résidences des juges et des maisons des avocats. Les détenus étaient regroupés selon leurs âges, leurs délits et leur personnalité. C'est impossible de laisser un prisonnier 24 heures sur 24 dans cet espace-là. Alors, ça obligeait donc les gestionnaires à laisser les prisonniers toute la journée ou une partie de la soirée dans cet espace-là en commun. La prison comprend 51 cellules simples ou doubles, 12 secteurs dont un réservé à l'isolement. Il y a même rumeur d'un tunnel souterrain secret qui relierait la prison et le palais de justice. Le tunnel, ça, c'est pas mal invraisemblable parce que, je veux dire, écoute, la prison Winter était, lorsqu'elle a été construite, elle était à la campagne. C'était vraiment le début de la campagne. C'était l'extrémité du village de Sherbrooke. Oui. Alors, on peut imaginer ça dans une grande ville, la prison d'un côté de la rue, le palais de justice de l'autre bord, puis pour des raisons pratiques, il y a un tunnel pour faire circuler les prisonniers entre les deux. Il est à côté, puis ici, c'est un village. Ouais. C'était un gros village, Sherbrooke, autrefois. Alors, c'est des histoires aussi d'assassinats. Il y en a qui ont été assassinés par des gardiens, ouais, ou assassinés par d'autres prisonniers. Les seuls crimes punis par la pendaison étaient le meurtre, le viol et la trahison. Dans cette prison-là, il y a eu beaucoup de souffrance. Il y a beaucoup, la majorité des prisonniers sont très jeunes. C'est faux, c'est de la souffrance. C'est vrai, puis, alors, il y a eu sans doute beaucoup de suicides. Suicides. Conduisant la première enquête paranormale officielle en ces lieux inconnus, et munis de détecteurs d'électromagnétisme, d'enregistreurs digitaux, de caméras et d'équipements de transcommunication, nous avons couvert la majeure partie de la prison Winter. Ah, c'est ma face d'une flèche. Ah, veut ça. Avec quel capuche, man. C'est un jeu, là. Non, mais avec mon capuche, oui, je... T'as-tu fini ça? Thank you.
milieu de la bordure. Tu peux t'asseoir. MVP numéro 1, Steve, GF, Danny. Dans un des trous. Est-ce qu'on est tout seul ici? Est-ce que vous pouvez nous faire un signe? Taper sur un mur. C'était tout. J'étais en train de prendre possession de son ventre. C'est quoi, c'était pas moi? C'est moi? C'était quoi ça? Ça t'a dit correctement? Ben oui. C'était pas ton ventre? Non. Ça, pas ça. Shit! Ok, je vais me calmer. Taper sur un mur. C'était-tu tout, là? Il est en train de prendre possession de son ventre. Je sais pas si c'était tout pour moi. C'est moi? Taper sur un mur. C'est moi? Après vérification, nous avons démystifié le grognement comme étant un son en provenance du système de chauffage. Après quelques heures d'enquête, nous nous sommes séparés pour continuer nos investigations. Est-ce que vous ennuyez de votre famille? Est-ce que quelqu'un est avec moi présentement? Est-ce que vous pouvez vous nommer? Au cours de son histoire, la prison Winter a vu mourir 6 de ses condamnés par pendaison, la dernière se déroulant en 1932. La peine de mort fut abolie en 1976 au Canada après avoir fait 710 morts. Monsieur William Gray, si vous êtes avec nous, s'il vous plaît, venez près de la lumière verte. William Wallace Blanchard. EVP, session Antonio Poliquin, GF tout seul à la potence dehors. On parle à M. Albert Vincent. M. Vincent, je suis présentement à l'endroit où vous avez été pendu. Session d'EVP, M. Rémy Lamontagne, GF tout seul dehors à la potence. M. Lamontagne, êtes-vous avec moi présentement? M. Lamontagne, si vous êtes ici, venez près de la lumière verte. Je ne suis pas seul, monsieur Lamontagne, touché à la lumière verte. Vous auriez peut-être fait 2 meurtres, monsieur Lamontagne. Vous avez été condamné seulement pour le meurtre de votre beau-frère. Il y a une autre personne qui était tuée. On croit que c'est par vous. Avez-vous quelque chose à dire? Avez-vous tué monsieur Arcade Boucher? Est-ce que votre sœur était coupable? Est-ce que votre sœur était coupable? Elle a avoué que vous aviez tué son mari. Il semble y avoir quelqu'un avec moi présentement. Qui êtes-vous? Êtes-vous une des personnes que j'ai nommées?
Steve avec la Devil Toys Box. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est ici avec nous présentement? Comment était la vie ici? Est-ce qu'on vous traitait bien? Est-ce que vous ennuyez votre famille ici? Est-ce que vous pouvez vous faire un bruit? Allez en avant de moi. Allez en avant de moi. S'il y a quelqu'un avec moi présentement, présentez-vous à la lumière verte. S'il y a quelqu'un avec moi présentement, présentez-vous à la lumière verte. La prison Winter nous a ouvert les portes de son passé. Étions-nous en contact avec des entités oubliées ou simplement en présence d'énergie résiduelle? Tapez sur un mur. Est-ce que votre sœur était coupable?